Alléluia. Quelqu'un pour battre les mains, continue à bénir le Seigneur, réjouis-toi. Continue à bénir le Seigneur, ouvre la bouche, parle à Dieu. Alléluia. Continue à parler à Dieu, continue à parler à Dieu. Dis-lui combien tu apprécies l'œuvre qu'il a eue à poser à la croix de Golgotha. Quelqu'un est en train de dire à Jésus, ni t'étais Golgotha, que serais-je devenu? Ni t'étais Golgotha, ni t'étais ton sang versé sur les bois infâmes. Je me demande, Seigneur mon Dieu, si tu n'avais pas accepté de prendre ma place à la croix de Golgotha, je me demande ce que je serais devenu. Je suis dans la joie parce que tu as pris ma place à la croix de Golgotha. Je suis dans la joie, Seigneur, je peux fêter aujourd'hui parce que tu as payé le prix à Golgotha. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire du bien en participant à ta table aujourd'hui. Merci pour les miracles qui se dégagent. Seigneur mon Dieu, mon roi de cette sainte scène. Ouais, merci pour, Seigneur mon Dieu, cette dimension spirituelle qui se dégage de cette sainte scène. Merci pour ta visitation, parce que c'est en mémoire de toi que nous avons été à ta table aujourd'hui. Merci de nous bénir par ta parole. À toi, gloire et honneur. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de participer à la table du Seigneur, mais aussi de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Nous revenons sur notre thème, les chrétiens et la maturité spirituelle. Alléluia. Les chrétiens et la maturité spirituelle. Nous étions la dernière fois, nous avions entamé donc les exemples de la maturité et nous sommes restés longtemps en train de parler de Christ, notre modèle de maturité, notre modèle de croissance. Bien-aimé, Christ et le modèle de maturité. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Quand tu vas te comparer à Jésus, tu verras que tu as toujours des efforts à fournir. Mais si tu veux regarder, tu regardes à ton voisin, tu dis, ah, moi je suis meilleur que lui. Tu es en train de régresser. Parce que l'homme est faible. Et si tu vois, tu veux comparer ta faiblesse à la faiblesse de l'autre, et tu commences à considérer ta faiblesse comme une force, tu es en train de perdre. Le modèle, bien-aimé, qui nous challenge, c'est Jésus-Christ. Tu verras toujours que tu n'arrives pas toujours à atteindre. Et tu dois te fournir toujours des efforts pour monter et monter encore, monter encore. Christ est notre référence. Alléluia. Christ est notre référence. Nous avons vu comment il a pu banaliser toutes les propositions du diable qui lui proposait en disant, bon, prosterne-toi devant moi. Et je te donnerai adore-moi, je te donnerai le change d'abord ces pains hein, que dis-je cette pierre en pain, parce que Jésus avait faim. Alors change cette pierre en pain. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Obéissons la parole, mes amis. Oh, je disais obéissons la parole. Amen, amen. Ensuite, il lui dit, prosterne-toi. Il dit, tiens, me prosterner. Donc, il est écrit, tu n'adoreras l'Éternel que adorer ton Dieu et lui seul. Amen, amen. Le monde, le diable cherche que tu puisses te prosterner devant lui. Et il te propose des miettes. Du reste, tout ce que le diable nous propose, nous l'avons déjà. Le diable vient te proposer ce que Dieu t'a déjà donné. Quand il propose à Jésus que je vais te donner ce monde, Jésus n'est pas le propriétaire de ce monde. Donc il vient proposer à Jésus ce qui lui appartient. Le diable c'est quelqu'un qui vient singer.
il vient tout simplement imiter. Donc le diable ne te donnera rien parce qu'il n'a rien. Ce qu'il te propose là appartient à ton père. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Donc Jésus est le modèle de maturité, modèle par excellence. Aujourd'hui, nous voulons aborder Ésaü. Dis à ton voisin, il est question de Ésaü aujourd'hui. Ésaü a fait preuve, mon sous-thème c'est Ésaü a fait preuve de manque de maturité. Ésaü a fait preuve de manque de maturité. Et c'est grave. Dans Hébreux 12, le verset 15, jusqu'à donc la partie A et le verset 17, dit que veillez à ce que nul, je disais Hébreux 12, verset 15, la partie A, et puis le verset 17. Ce passage dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. De 15 à 17. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit de naissance. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillons. Veillons, veille que ton voisin de gauche ne se prive de la grâce de Dieu. Veille que ton voisin de droite ne se prive de la grâce de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous ne veillons plus les uns sur les autres. Nous sommes dans un monde où nous ne sommes plus des garde-fous pour les autres. Alléluia. Nous ne sommes plus des garde-fous. Le garde-fou sert à protéger. Comme nous sommes en train de placer les garde-fous au temple, c'est pour protéger les gens. On peut même laisser les gens monter. Nous savons que nous sommes en sécurité. Quand nous, les autres fois, on a placé les services d'accueil pour veiller. Mais les garde-fous peuvent même faire qu'il n'y ait pas les services et qu'on soit sûr que les garde-fous peuvent retenir quelqu'un. Mais toi, tu n'es plus garde-fou pour quelqu'un. Quand quelqu'un vient, il pense que c'est le garde-fou. Quand il vient, il tombe. Parce qu'il avait l'impression que tu étais là pour pouvoir le soutenir, le protéger. Non, tu n'étais pas là. Tu l'as même esquivé et dit, ah, tu as envie de tomber, tu peux y aller. Nous ne sommes plus des garde-fous les uns pour les autres. Nous nous plaisons même que l'autre puisse tomber. Nous sommes dans la joie. Quand il tombe, il dit, à quoi? Nous sommes censés être des garde-fous les uns pour les autres. Et qui dit garde-fous veut dire aussi sentinelle. Sentinelle les uns les autres. Je ne serais pas choqué que quelqu'un vienne me dire, pasteur, à supposer que j'ai fait cela, pasteur, je t'ai vu à 22h à X endroit. Pasteur, ce n'est pas bon pour toi. Tu peux être partout d'accord, mais là, pasteur, tel que nous te connaissons, pour moi, c'est un garde-fou. Pour moi, cette personne est une sentinelle. Amen. Le rôle du sentinelle, c'est quoi? De la sentinelle, c'est quoi? C'est d'avertir. C'est d'avertir. De sonner l'alarme. De sonner. Donc, sonner l'alarme. Pour que l'autre puisse revenir sur le droit chemin. Il y a des véhicules on a programmé cela. Lorsque tu es en train de sortir de la route, quand tu passes que tu somnolais, le véhicule te réveille. Oh, oui, le véhicule te réveille. Il y a des véhicules, lorsque tu roules tu mets le séparateur des bandes.
entre les deux pneus, le véhicule t'interpelle. Ça sert à venir. Chez nous, les gens roulent là. Le séparateur, donc. Vous klaxonnez derrière, vous dites. Être garde-fou. Dis à ton voisin, j'espère que tu es un garde-fou pour moi. Oh, amen, amen. Mais malheureusement, il y a des gens qu'on avertisse qui se fâchent. De quel droit, de quoi te mêles-tu? Eh, frère, je voulais t'aider. Tu m'aider? Quand on est enfant de Dieu, on ne vit pas pour soi-même. Oh. Si tu ne veux pas qu'on t'interpelle, dis, je ne suis plus enfant de Dieu. Mais quand tu te reconnais en tant qu'enfant de Dieu, l'autre a le droit d'avoir l'œil sur toi. Même si vos amens ne convainquent pas. Amen, amen. Quand tu vois ton frère dans une mauvaise position, tellement, arrête-toi, dis-lui qu'il te voit et qu'il réalise que tu l'as vu. Hein? C'est par amour que tu fais ça. Ce n'est pas parce que tu veux le mettre mal. Non, c'est par amour pour lui. Si tu n'interpelles pas ton frère, il tombera à cause de sa faute, mais son sang va te réclamer sur tes mains. La maturité, ça compte. Ça, ça compte également. Alléluia. Oh, alléluia. J'espère que j'aurai le temps d'aborder ce que je dois aborder. Veillons. On dit, afin que personne, aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, à ce qu'il n'y ait ni impudique. Je mets vraiment l'accent là-dessus. Ni profane, comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Il vendit son droit d'aînesse. Ésaü se trouve affronté à un besoin toutefois légitime. Mais Ésaü n'a pas à sa portée les moyens nécessaires de répondre à son besoin. Il n'a pas à sa portée. C'est moi j'écris. C'est là parce que ça n'est pas dans mes notes. Donc, c'est ça ce qui est des fois intéressant. Donc, il n'a pas à sa portée, ce qui a donc à sa portée, ce qui est nécessaire, les moyens donc nécessaires de répondre à son besoin. Il n'a pas les moyens. Il a un besoin. Nous avons toujours des besoins. Chacun a un besoin. Mais faudra-t-il combler ces besoins-là tout de suite et maintenant? Ésaïe a un besoin, mais il n'a pas à s'apporter les moyens nécessaires pour combler ses besoins, pour répondre à ses besoins. Que doit-il faire? La maturité le conduirait à patienter jusqu'à ce qu'il ait apporté, qu'il ait apprêté son propre repas. C'est ça la maturité. Je peux attendre, j'attends, mais le temps que je suis en train d'apprêter mon repas. Mais notre ami Ésaü ne voit pas les choses de cet œil-là. Ésaü est dans le régime de l'immédiateté. Le régime de l'immédiateté, attendre, patienter, ne font pas partie de sa vie. Ça ne fait pas partie de sa vie. Pour Ésaü, c'est maintenant ou jamais. Ésaü, si tu ne manges pas maintenant, je m'adresse à toi, Ésaü, qui me suis ce matin. Ésaü, si tu ne manges pas maintenant et tout de suite, que vas-tu perdre? Que vas-tu perdre, Ésaü?
Si tu ne manges pas maintenant, tu attendais une heure, tu attendais deux heures, tu attendais un jour, qu'est-ce que tu vas perdre? Penses-tu que ces besoins d'alimenter ton corps peuvent te tuer parce que tu as passé une journée sans manger? Tu ne mourras certainement pas à ce que je sache, Esaü. Pourquoi ne ferais-tu pas preuve de patience? Esaü, pourquoi ne ferais-tu pas preuve de patience? Pourquoi ne sais-tu pas être patient? Et à cause de son attitude irresponsable, Esaü, à cause de son attitude irresponsable, va irrémédiablement perdre son droit d'aînesse. Il va perdre irrémédiablement son droit d'aînesse. Oui, perdre son droit d'aînesse en échange de quoi? En échange du pain et du potage des lentilles. Quel signe gravissime d'immaturité! Quel signe d'immaturité! Juste pour du pain et du potage. Mais tout le monde peut préparer de la bouillie. Et ça peut me prendre combien de temps? Je peux patienter cette fin-là de 30 minutes. Cette fin-là d'une heure du temps ne va pas me tuer. Esaü, comment tu ne peux pas attendre? Je parle à Esaü au féminin ce matin. Je parle à Esaü au masculin ce matin. Comment tu ne peux pas attendre? L'impatience. Esaü va vendre ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'essentiel dans sa vie par un morceau de pain et un bol de bouillie. Et c'était de quoi? De bouillie de maïs, c'était avec quoi? Je ne sais pas. Et ça y est, est-ce que tu ne veux pas attendre? Lorsque vous lisez dans Genèse 25, 29 à 34, il est écrit, comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux. De ces roux-là, ils bavent. Ils bavent. Je ne sais pas attendre. Laisse-moi manger cela, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Je m'arrête d'abord dans la lecture pour parler de moi-même. Quand nous étions enfants à Katouba, plusieurs fois, je me souviens, revenir de l'école, fatigué, affamé. Tu arrives à la maison et puis tu trouves qu'à ce moment-là, qu'on est en train de attiser le feu dans les Mbaboula, donc les Brazero, et tu comprends que le repas n'est pas encore prêt. Tout de suite, et tu prends une autre attitude maintenant sur ton visage. Et tu te dis toi-même, c'est lui qui va oser m'envoyer. Je vous parle, dois-je dire avec honte, mais c'était ça mon enfance. Et puis, on m'appelle. Ah, c'est mon massin, c'est qui j'ouvre la bouche maintenant. Mais où est-ce que vous étiez tout ce temps? Pourquoi est-ce que le repas n'est pas prêt? Nous sommes fatigués. Il faut savoir discipliner ton estomac. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il faut savoir discipliner ton estomac. Est-ce que si tu patientes un peu, est-ce que si tu fais le travail qu'on te demande? Du reste, le travail qu'on te demande, généralement, c'est en rapport avec la cuisine. Et tu es là, fâché, tu vas mettre tout le monde mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tes intestins sont en train de dire vite, vite, quelque chose, vite, vite, quelque chose. C'est comme ça que nous nous comportons dans la vie. Jacob dit, tu veux de ce que j'ai? Verset 31, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob, toi aussi. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, Jacob, c'est de la bouillie que ton frère te demande. Il dit, je vais la voir aujourd'hui. Vends-moi ton droit d'aînesse. Verset 32, Esaü répondit. Écoutez une réponse d'immaturité. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. C'est vrai, Esaü? Esaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse?
Et Jacob dit, jure-le-moi. Comme dit, à quoi me sert ce don d'aînesse? Donne-moi la bouillie, prends le droit d'aînesse. Qu'est-ce que j'ai à en foutre, moi? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Jure-le-moi. Et il le jura, il lui jura. Ésaü. Ésaü, tu es de quelle nature? Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Ésaü mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Comme si de rien. Il mangea, il but. Et puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Oh Ésaü. Oh Ésaü. Écoutez, frères et sœurs, nous ne mourrons pas lorsque nous ne satisfaisons pas au moment voulu un besoin de la vie, quoique légitime. Nous ne mourrons pas. La maturité te poussera à attendre. Je peux attendre encore quelques jours. Je peux encore attendre quelques mois. Pourvu que le Seigneur soit glorifié dans ma vie. Je peux attendre. Pourvu que ma réputation ne puisse pas souffrir. Je peux attendre. Il y a des choses que tu commets, tu te dis, si j'avais seulement, si on peut retourner la vie 5 minutes avant ça, ma vie n'allait pas tourner au vinaigre comme ça. Il y a des choses, tu dis, si je peux seulement patienter, si je peux seulement attendre, si j'avais su était un langage de malheur, et donc un langage. Si j'avais utilisé cette qualité qu'est la patience, ceci ne me serait pas arrivé. Si j'avais su, et le mature, il sait attendre. Le mature, il saura attendre. Ésaü, par son attitude inconsidérée et par son manque de patience, va compromettre toute sa destinée. Il compromet toute sa destinée. Il change vraiment sa destinée à 180 degrés. Il a par cette décision, Ésaü, prouvé son immaturité, un véritable signe d'enfant. Ésaü, bien-aimé, les immatures ne voient qu'aujourd'hui et sont incapables de se projeter dans l'avenir. Et au moment d'hériter, ils recueillent la déception des immatures. Les immatures sont des enfants. Ils sont incapables d'hériter. Ils sont incapables de jouir de l'héritage. Les immatures récoltent le vent. Ils récoltent le vent. Je ne sais pas si j'ai donné cet exemple ici, ça se passe, semble-t-il, au Kenya. Une jeune fille est fiancée, son fiancé est aux États-Unis. Ils sont en train de planifier. Et ça prenait du temps, mais les garçons n'étaient pas un irresponsable. Ils continuaient à travailler, à planifier, à mettre de l'argent de côté, avec un objectif, rentrer au pays, épouser sa fiancée, prendre l'avion avec sa fiancée, retourner aux États-Unis. Mais pendant tout ce temps où ça traîne, bon, la fiancée a terminé les études, la fiancée cherche le travail cherche la fiancée, la fiancée cherche le travail cherche la fiancée. Et puis un bonjour, un papa dit, je vais t'engager. Mais pour t'engager, il faut que tu me cèdes ton corps. Je ne dis pas que tu me céderas toujours ton corps, mais cède-moi ton corps pour une fois. En tout cas, c'est donnant-donnant. Elle a hésité plusieurs fois, et puis elle s'est dit un jour, mais qui saura que j'ai couché avec ces messieurs? Et moi, je lui aurais donné mon corps une seule fois, et j'aurais eu mon travail. Et ça s'arrêtait là. Après ça, donc, elle a manqué de patience, et elle a cédé son corps à ces messieurs, et elle a eu son travail. Elle était fière, toujours bien habillée, toujours pimpante, les cheveux bien faits, son sac. Généralement, les jeunes dames maintenant ont deux sacs.
le sac à main des dames et le sac des dossiers, n'est-ce pas? Et l'apparence. Et comme elle sort sa vie en tailleur, ou un beau pantalon, avec les dessus, elle sait se mettre en valeur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dès ce jour-là, une chenille est entrée en elle. Vous comprenez ce que je dis? En lingala, non? Nyama. Elle est tombée malade. Dès ce jour-là, elle a été infectée. Cette maladie terrible. Ça fait plusieurs années en arrière, quand ça faisait vraiment paniquer même les gens. Et là, son travail, quelques mois après, les fiancés confirment, je viens t'épouser. Elle ne sait pas qu'elle a contracté la maladie. Manque de patience. Le monsieur arrive, le monsieur dit, moi je suis revenu avec mes examens, ce sont des hôpitaux vraiment, j'aimerais que tu fasses des examens pour que nous puissions finalement confirmer. Nous allons faire tout le mariage, en tout cas, telle date, après le mariage, nous allons rester un mois, mais après tout est prêt, nous, en tout cas, nous allons voyager pour... Elle était heureuse, seulement quand elle passe les examens. Comme on dit à Lingala, pasteur, le bananga nino, quand elle passe les examens, l'affaire est dedans. Le monsieur dit, non, moi je me suis protégé, je me suis gardé. C'est pas possible. Moi je me suis gardé. Elle se met à pleurer, expliquer, voilà, c'est les circonstances. Elle dit, papa, maman, je suis désolé. Je pleure parce que j'ai dépensé énormément, j'ai préparé. Je suis obligé simplement de rentrer et continuer à prier à ce que Dieu pense à moi. Autrement, elle va rater son mariage, pas seulement. Mais elle va commencer à lutter avec l'affaire. Vous savez, il y a des maladies qui se déclenchent quand tu découvres qu'elle est dedans. Les symptômes se déclenchent. Manque de patience. Preuve de immaturité. Le diable n'est pas votre ami. Oh! Les diables voyaient ces mariages heureux, pas seulement les mariages, cérémonies, mais aussi ces couples-là qui allaient s'épanouir, qui allaient gagner des âmes, qui allaient évoluer sur le plan professionnel. Les diables ont vu ça, il a convoité ça. Il dit, vous n'aurez pas ça. Le manque de maturité. Il y a beaucoup qui agissent comme Ésaü, malheureusement. Ils sont incapables de patienter. Incapable d'attendre. Incapable de patienter, incapable d'attendre. L'immaturité et la chair riment bien. Ça rime ensemble. L'immaturité et la chair. C'est pourquoi quand vous lisez dans Galates 5, Galates chapitre 5, verset 25 et le suivant, j'aimerais quand même prendre ce passage. Galates, chapitre 5, et verset, je disais quel verset? 25. C'est vrai? Verset 5. Ah, donc, attendez, je vais. J'ai parlé de verset 5. Hein? Chapitre 5, mais quel verset? Ah oui, voilà, c'est ce que je disais. J'ai parlé de. Verset 25. Écoutez ce qui est écrit. Mais le fruit de l'esprit, je vais commencer au verset un peu plus avant, 22. L'esprit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas. Ces choses, vous êtes sûr que vous m'avez envoyé, mais le fruit de l'esprit, attendez,
en train de chercher, c'est de la chair. Ça ne vient pas avant. C'est au verset, je crois, 16. À partir du verset 16. Excusez-moi. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, voilà, les œuvres de la chair, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, quoi? Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les immatures sont dans ces choses-là. Les immatures, ils sont dans l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Les immatures, ils sont dans ces choses-là. Ils sont dans l'idolâtrie, la magie. Une sœur, je vais quand même donner ce témoignage, vous ne la connaissez pas. Elle m'appelle, je suis à Lubumbashi, elle me fait des audios en fait. Elle me fait des audios, elle est de l'église, mais sa famille, sous prétexte qu'il y a plusieurs morts en famille, on la bouscule, il faut aller voir un tamampadi, un féticheur, papa Mbikudi, et malheureusement, il a fait ça. Oh non, j'avais vraiment refusé, mais on l'a amené dans des choses. Je ne peux pas entrer dans les détails. Elle m'a fait des audios de 2 minutes, 1 minute et demie. J'en avais, je crois, 10. Mais quand tu m'expliques ça, tu as déjà fait ça. Tu vois, ça c'est l'esprit d'Ésaü. Tu aurais pu patienter, tu aurais pu même faire donc bloc seul contre tout le monde. Oh non, la famille disait, mais écoutez, la famille t'introduit dans une histoire où le diable maintenant va avoir une mainmise sur toi. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et Dieu dit le Seigneur, je vous accueillerai, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur sous prétexte que la famille parle. Bien-aimé, on ne fait pas le mélange. Un enfant de Dieu ne va pas dans la maison d'un féticheur. Un enfant de Dieu ne va pas dans la maison d'un marabout. On ne va pas marabouter chez les on ne va pas le faire de maraboutage. Ce sont des choses diabolo-démoniaquement sataniques auxquelles il ne faut pas toucher. Tu viens à l'église et tu as des amulettes. Vous en avez moi singanana loketo to yebakate. Quand le jour de délivrance, quand on commence à délivrer, quand tu tournes là, et on vous dit, asana singanana loketo. Pourquoi faire avec ça? Tu ne crois pas, tu ne peux pas espérer en ton Seigneur. Donc ton Seigneur là est mort pour rien, son sang a coulé pour rien. J'aimerais vous dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, car Jésus a payé le prix. Pourquoi jouez-vous à Ésaü? Pourquoi jouez-vous à Ésaü? Les immatures, ils provoquent des divisions ici et là. Nous sommes à un niveau où dans ces pays, les gens se disent chrétiens et commencent en se disant chrétiens. Ils disent Yosa Mouluba, Nganaza Moutakatanga, Yosa Mou. Vous êtes encore à ce niveau-là, alors que Jésus-Christ a dit, à cause de mon œuvre à Golgotha, il n'y a désormais ni synthe, ni esclave, ni juif, ni grec. Il n'y a pas tout cela. Il n'y a ni Mouluba, ni Moukongo, ni Mouswahili, ni Moutandou, Mounderi, ça n'existe plus ça. Nous sommes un dans le Seigneur. Et quand viennent les élections, tu ne vas pas voter en fonction de ce gaza mouluba, de ce gaza mpangi, toazani. Tu votes parce que tu te dis, celui-ci peut-être nous pouvons aller d'un pas en avant.
fatalisme observé par des immatures chrétiens. Je ne me suis jamais référé par rapport au coin d'où est venu mon père. Moi, je suis Congolais. Et quand je travaille avec des gens autour de moi, je ne m'intéresse même pas de quel coin il vient. Toi, tu es de quelle province? Je ne connais pas. Vicky est de quelle province? Je ne sais pas. Lui, je commence un peu à m'imaginer un peu. Ça ne me dit absolument rien. Ce qui compte pour moi, c'est que je l'ai vu venir. C'est un enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Ah, il est bien. Quand tu donnes des responsabilités, il les fait avec amour. C'est ce qui m'intéresse. Point très. Oh non, les. Vous quoi? Vous quoi? Ces choses vont rester. Bientôt, nous allons partir. Tu vas aller, vous aurez votre coin de Katangé au ciel. Hein? Vous aurez votre coin de Bandoun. Non, les quartiers déjà ces quartiers-là au ciel, ce sont déjà des Bandoun. Hein? Ce sont des pesanteurs, ça. Ce sont des pesanteurs qui vont vous bloquer, vous retenir. La maturité spirituelle. Alléluia. Quand vous lisez Colossiens 3, 1 à 6 plutôt, on nous enseigne en disant que si nous sommes ressuscités avec Christ, amen, hein? Si nous sommes ressuscités avec lui, affectionnons-nous aux choses, hein, où Christ est assis à la droite. Affectionnons-nous pas aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Je suis à l'aise avec tout le monde. À l'aise avec Mayala. Je suis à l'aise avec Ngilima. Je suis à l'aise aussi avec Yvette. Pourquoi pas? Je suis à l'aise avec Yvette. Tu n'as pas entendu? Je suis à l'aise avec John Ngungu. Je suis à l'aise avec Katambay. Je suis à l'aise avec Fidel Kibala. Je suis à l'aise avec Mondo. Je suis à l'aise avec Crispin Goy. Je suis à l'aise avec tout le monde. C'est ça être enfant de Dieu. Ésaü a raté. Qu'a-t-il raté? Il a raté le leadership familial. Alors que ça lui était adressé, ça lui était réservé. Il a raté le leadership familial. 1. 2. Il a raté la bénédiction qui va de père en fils. L'alliance des générations, c'est-à-dire d'Abraham à Jacob et de Jacob à Isaac. Il a raté. Ce n'était pas Jacob qui allait être là. C'est Ésaü. C'était l'aîné. Manque de patience. Le manque de maturité finit par faire de vous un homme ou un leader d'hier. Tu appartiens au passé. Les livres de Juges nous fait part de ce qui arriva à Samson. Samson qui effectua imprudemment son entrée chez Delilah, la prostituée. Juges 16, 19 à 25 nous fait part d'une faiblesse morale grave dans les chefs de notre ami Samson. Ah, il est temps. Faiblesse monumentale dans la vie de Samson. Et là, il jouait au jeu. Il blaguait avec le péché. Dis-moi la vérité, d'où vient ta force? Oh, ma force, si on me lie avec des cordes sèches, et donc je serai dompté. On le lit quand on crie, les félicitations sur toi. Bam! Il rompt les liens et il les met en débandade. La dame dit, mais tu ne m'as pas dit la vérité. D'où vient ta force? Non, ma force, c'est... Enfin, pour me dompter, si on me lie avec des linges, de cordes fraîches, je serai à... tout ce que... Finalement, Adam a dit, tu as entendu tu-même, tu peux jouer à ça avec une impudique, avec une prostituée. Ça, ce n'est pas un mariage, Samson.
petit à petit, il s'approchait. Les frontières sont en train de tomber, petit à petit. Et il ne réalisait pas qu'il était en train de s'approcher du pire. Manque de maturité. Samson, un homme loin. L'onction est là, comme les amis de Corinthe. Ils ont des dons spirituels. Mais Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, en vous écrivant, ce n'est pas comme si j'écrivais à des hommes spirituels. Waouh! Ils ont des dons spirituels. Il y a de parler en langue. Il y a des dons de guérison, des dons de puissance. Il dit, je ne m'adresse pas à eux comme à des hommes spirituels. Ce sont des hommes charnels. Donc, même quand tu parles la langue, tu peux être charnel, immature. Même quand tu chasses les démons là, et les démons se sont soumis, et que la personne est délivrée, tu peux être immature. Ce ne sont pas les dons spirituels qui prouvent la maturité de quelqu'un. Ce ne sont pas les dons spirituels qui prouvent la spiritualité de quelqu'un. Samson a déchiré les lions. Samson, quelle puissance quand l'Esprit de Dieu les saisit. Mais Samson est immature. Et puis, on va lui crever les yeux. Quand vous lisez Juges 16, on va lui crever les yeux. Il va se retrouver là. Il est devenu comme un instrument de réjouissance des Philistins. Un gadiadia. Samson est devenu un gadiadia. Citez-moi un autre nom. Esobé. Comment encore? Ping-pong, il est comment? Ça, au moins, je crois que je dois connaître. Qui a fait rire le président, ça, non? Samson est devenu ping-pong. Samson, l'envoyé de Dieu. Samson, le manque de maturité peut faire que tu te retrouves les yeux crevés. Le manque de maturité. Je m'adresse à tout le monde. Serviteur de Dieu, faites attention. Faites attention. Le manque de maturité peut faire que vous puissiez vous retrouver les yeux crevés. Donc la destinée s'arrête. Vous pouviez faire encore des exploits avec Dieu. Samson, tu pouvais faire encore des exploits avec Dieu, Samson. J'aurais voulu que cette partie de la fin, que toute l'église soit là pour entendre ça. La maturité, elle comprend, elle supporte, voire même le silence de Dieu dans des moments de confusion et de trouble. La maturité comprend. La maturité comprend, les matures, ils comprennent, ils supportent, voire même le silence de Dieu. Par moment, tu cries à Dieu, Dieu est silencieux. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas intervenir. Quelquefois, Dieu choisit de rester silencieux pour voir jusqu'où tu vas aller avec lui. Dieu a parlé plusieurs fois à Abraham dans l'histoire d'aller offrir son fils, et puis Dieu n'a plus parlé. Ils ont fait, Dieu est resté silencieux. Ce n'est pas qu'il n'était pas au contrôle. Dieu était au contrôle, mais silencieux. Ils font chemin avec les. Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Mais Dieu a fini par parler, oui ou non? Dieu parle au temps convenable. Quand il prend maintenant son couteau, il a tout apprêté, le feu, tout ça. Il met l'enfant là-bas, maintenant il prend le couteau. Dieu dit, Abraham, je sais maintenant. Oh, amen, amen. La patience de Dieu, c'est juste des fois pour nous éprouver. Le silence, voudrais-je dire, de Dieu. Des fois, c'est pour nous éprouver. Jusqu'où son silence va continuer à nous maintenir dans la patience. Vous voulez maintenant et tout de suite. C'est ainsi que nous commettons des bêtises. C'est ainsi que nous commettons des graves, des gaffes. Mais Job a su attendre. Job a patienté. Job a connu tout ce qu'il a connu.
Alors Job s'éleva, Job 1, verset 20, 22. Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. » Oh, quel signe de maturité! Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point en attribuant rien d'injuste à Dieu. Verset, donc chapitre 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs Job. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, une femme immature. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quelqu'un dit amen. Job ne pécha point. Oui, je ne pense pas qu'il soit absent, qu'il soit ignorant de ce que je suis en train de connaître comme réalité, comme difficulté. Dieu est au courant. Pourquoi il n'intervient pas maintenant? Ça ne regarde que lui. J'aurais voulu qu'il intervienne maintenant. J'aurais voulu qu'il me délivre maintenant. J'aurais voulu qu'il me donne ce travail maintenant. J'aurais voulu qu'il me donne ce mariage maintenant. J'aurais voulu qu'il m'ouvre cette porte maintenant. Mais il tarde. Bon, il est souverain. Je continuerai à attendre. Je continuerai à attendre. C'est dur, Seigneur. Ça me dépasse, Seigneur. Mais je vais trouver la force en toi. Je vais continuer encore à attendre. J'aurais voulu que tu interviennes maintenant. Mais toi, tu trouves que ce n'est pas maintenant, oh Père. Interviens maintenant, Seigneur. Mais Seigneur, si tu tardes à intervenir, je te resterai fidèle. Je te resterai fidèle, Seigneur. J'aurais voulu que tu fasses maintenant. Mais Dieu dit, ce n'est pas maintenant. Si Dieu dit, ne passez pas maintenant, c'est pas maintenant. Ne faut pas, aller fabriquer ta solution à toi. Ne fabrique pas un veau d'or. Un veau d'or, il est difficile à gérer, mes amis. Un veau d'or est difficile à gérer. Concluons. Un chrétien mature manifestera naturellement les mêmes qualités que Jésus-Christ a eu à manifester. Luc 6, 40 dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Oh, j'aurais voulu lire avec vous 2 Pierre. Lisez ça à la maison. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 13. Oh, que Dieu bénisse la parole éternelle et que nous soyons une église composée des hommes et des femmes d'une grande maturité. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Je tenais à terminer parce que si je n'avais pas terminé, j'allais encore m'étendre encore là-dessus prochainement. Mais on ne peut pas terminer un tel sujet. Certainement dans d'autres formes, nous y reviendrons, recherchant la maturité. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont courbées. Nous sommes devant le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin du secours de Dieu après avoir écouté ce message? Est-ce que tu peux faire un effort d'avoir tes yeux fermés? Merci. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin du secours de Dieu? Tu réalises que tu as vraiment, des fois, tu t'es comporté comme Ésaü et tu as besoin du secours de Dieu pour sortir d'une telle faiblesse, d'un tel piège. Je t'invite à te lever, je vais prier pour toi et avec toi. Merci mon frère, merci ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu as besoin du secours de Dieu. Tu as besoin du secours de Dieu. Je m'attends, je te demande encore, toi qui as besoin du secours de Dieu, de te tenir debout, je vais prier pour toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Dieu ne parle pas en vain. Quand il envoie sa parole, c'est pour que son peuple soit guéri de ses faiblesses. Et Dieu veut te guérir de toutes ses faiblesses. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant le Seigneur. Tendre Père, qui suis-je pour prier pour ces amis? Combien moi-même, jour après jour, je crie à toi pour que tu puisses me soutenir afin que je reste debout. Debout dans la foi, en évitant des pièges de l'ennemi,
en fuyant même. Mais si j'ai eu à fuir plus d'une fois, c'est parce que tu m'as rendu capable. Et je veux que tu rendes mes frères, mes sœurs capables. Tu leur donnes la capacité de vivre en chrétien mature. Tu leur donnes cette maturité que tu nous as enseignée pendant ces plusieurs dimanches. Secours chacun, fortifie chacun. Donne que l'attention dans les chefs de chacun soit redoublée. Glorifie-toi, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur.